Bonjour encore et encore, bienvenue sur la chaîne Les Aides de Freddy. Alors, chers élèves, chers parents d'élèves, comme vous voyez à l'écran, nous sommes sur le site de la déco, direction des examens et concours. Alors, dans cette vidéo, nous allons parler de quoi? Nous allons parler des examens de fin d'année, CEP, BEPC et baccalauréat. Alors, les calendriers, ok, les calendriers sont connus. Alors, les calendriers, comme vous voyez à l'écran, calendrier des examens de 2022 sont disponibles et dans cette vidéo, nous allons vous présenter le calendrier, donner les différentes dates que vous devez retenir et surtout vous donner des conseils et vous donner quelques secrets de comment mieux vous disposer pour réussir votre examen et vos examens de fin d'année. Et comme le dit toujours, la préparation de l'examen, c'est dès le début de l'année. Et si vous n'avez pas encore fait, ne vous inquiétez pas, à partir de maintenant, vous pouvez mettre en place quelques stratégies que nous allons vous partager, quelques conseils à la fin de cette vidéo pour pouvoir vous aider à mieux commencer votre préparation maintenant parce que la date est connue et c'est très bientôt les examens. Si vous présentez le CEP, le BEPC ou le baccalauréat, cette vidéo est vous concernant. Alors, vous devez rester jusqu'à la fin de cette vidéo et surtout, si vous avez des préoccupations, regardez en dessous de cette vidéo et contactez-nous. Nous avons un groupe WhatsApp destiné aux élèves et parents d'élèves. Vous pouvez intégrer le groupe et bénéficier de nos conseils, de nos accompagnements. Et surtout, vous pouvez nous contacter directement sur notre contact officiel WhatsApp. Alors, sans plus attendre, nous allons rentrer dans le vif du sujet. Ok, comme vous voyez à l'écran, calendrier général des examens scolaires. Nous allons taper ici. Tapons ensemble calendrier des examens, ok. Quand nous cliquons, nous allons tomber sur cette page. Vous voyez, calendrier des examens et concours 268 téléchargements. Ça veut dire que simplement, vous devez arriver là, vous devez télécharger votre calendrier des examens de fin d'année. Alors, comment télécharger? Vous cliquez simplement sur cette phrase, ok. Tapez sur cette phrase simplement et vous allez... Le téléchargement va automatiquement débuter. Comme vous voyez, le téléchargement a commencé. Lorsque le téléchargement est terminé, vous ouvrez. Et nous allons cliquer dessus. Automatiquement, ça va s'ouvrir. Et voici comment ça se présente le calendrier. Alors, donc vous êtes candidat au CEP, au BEPC ou au baccalauréat. Donc, restez attentifs. Réécoutez cette vidéo encore et encore et surtout en dessous de cette vidéo nous allons laisser le lien du calendrier. Vous pouvez télécharger et l'avoir sur vous pour pouvoir savoir quelles sont les dates des épreuves physiques et sportives, les dates des épreuves écrites, les dates des épreuves pratiques pour certains et surtout les dates de la proclamation des résultats, délibération jury spéciaux et tout ce que vous devez savoir. Donc, restez jusqu'à la fin de cette vidéo. Et surtout, on vous dit de nous contacter en cas de besoin. Et si vous avez des difficultés, n'hésitez pas. Alors, comme vous voyez à l'écran, nous allons faire étape par étape. Il y a CEP, BEPC et test d'orientation en seconde et baccalauréat. Alors, vous voyez, grand 1, examen scolaire. OK, activité CEP. Alors, on va laisser les inscriptions, les paiements des droits des inscriptions. On va aller directement sur épreuves physiques et sportives et autres. Alors, si vous présentez l'examen du CEP session 2022, alors les épreuves physiques et sportives auront lieu du mardi 1er au vendredi 4 mars 2022. Jeudi 10 mars 2022, premier examen blanc. OK. Du mardi 3 au vendredi 6 mai 2022, jeudi 19 mai 2022, deuxième examen blanc. Alors, donc ça, en ce qui concerne les épreuves physiques et sportives. Et les épreuves orales et pratiques, il n'y en a pas pour l'examen du CEP. Alors, l'épreuve écrite, la date des épreuves écrites, prenez note, le mardi 7 juin 2022. Vous pouvez mettre pause à cette vidéo et relever ces dates-là pour ne pas que vous soyez surpris. Alors, épreuve écrite, c'est mardi 7 juin 2022. Proclamation des résultats, mardi 21 juin 2022 à 14h sur toute l'étendue du territoire. Délibération des jurys spéciaux de réclamation, lundi 27 juin 2022 à 9h.
Proclamation des résultats des jurys spéciaux de réclamation lundi 27 juin 2022 à 14h. Remise des documents à la DOB mercredi 29 juin 2022. Remise des documents à la DECO par la DRENA, DDNA, CEP, BPC. Alors, les présidents et vice-présidents de jury, ok, à partir du mardi 2 août 2022. Alors, voici ce que vous devez savoir en ce qui concerne l'examen du CEP session 2022. Le preuve écrite, c'est mardi 7 juin 2022. Alors, et les résultats, on répète, c'est le 21 juin 2022 à 14h. BPC et test d'orientation en seconde. Ok, alors on laisse les inscriptions, paiement des droits d'examen, tout ça, et on va épreuve physique et sportive. Alors, les épreuves physiques et sportives se dérouleront du lundi 25 avril au vendredi 6 mai 2022. Les épreuves orales et pratiques, c'est du mercredi 8 au samedi 11 juin 2022. Alors, les épreuves écrites qui se dérouleront du lundi 13 au vendredi 17 juin 2022. Alors, du lundi 13 au vendredi 17 juin, alors, chers élèves, chers candidats à l'examen du CEP, vous passez à l'épreuve, aux épreuves écrites. Alors, la proclamation des résultats, c'est mardi 5 juillet 2022 à 14h et délibération des jurys spéciaux de réclamation lundi 11 juillet 2022 à 9h. Proclamation des résultats des jurys spéciaux de réclamation du lundi 11 juillet 2022 à 14h. Remise des documents à la DOB jeudi 14 juillet 2022 et remise des documents à la DECO par les DRENA, DDNA, CEP, BPC, les présidents et vice-présidents de jury, ok, à partir du mardi 2 août 2022. Alors, donc, chers candidats à l'examen du BPC et test d'orientation en seconde, les épreuves écrites, d'abord les épreuves orales et les épreuves sportives, c'est à partir du 25 avril au 6 mai 2022. Alors, ça, c'est pour les épreuves physiques et sportives. Alors, les épreuves orales et pratiques, on rappelle, c'est du mercredi 8 au samedi 11 juin 2022 et épreuve écrite du lundi 13 au vendredi 17 juin 2022 et enfin, la proclamation des résultats, mardi 5 juillet 2022 à 14h. Alors, l'examen du baccalauréat. Alors, pour les candidats aux examens du baccalauréat, ce que vous devez retenir, les épreuves physiques et sportives auront lieu du lundi 9 au vendredi 20 mai 2022. Ok? Du lundi 9 au vendredi 20 mai 2022. Les épreuves orales et pratiques, bac technique, du mardi 21 juin. Au vendredi 1er juillet 2022, bac artistique du lundi 27 juin au vendredi 1er juillet 2022, bac général du mardi 28 juin au vendredi 1er juillet 2022. Ça, c'est pour les épreuves orales et pratiques. Alors, pour les épreuves écrites se dérouleront du lundi 4 au vendredi 8 juillet 2022 sur toute l'étendue du territoire national. Alors, pour la proclamation des résultats, c'est le lundi 25 juillet 2022 à 14h. Alors, délibération des jurys spéciaux des réclamations, vendredi 29 juillet 2022 à 9h. Et proclamation des résultats des jurys spéciaux de réclamation, vendredi 29 juillet 2022 à 14h. Alors, et remise des documents à la DECO à partir du mardi, ok, et les présidents des vice-présidents du jury baccalauréat à partir du mardi 2 août 2022. Alors, chers candidats aux examens du CEP, BPC et baccalauréat, voici le calendrier de déroulement des examens de fin d'année. Alors, et si vous êtes candidat, et chers parents, si vous êtes parents d'élèves, d'un élève qui est candidat aux examens,
Voici quelques conseils. Ok, quelques conseils. Vous devez d'abord commencer maintenant même à vous préparer. Se préparer, c'est le fait de pouvoir vous-même chercher à traiter les anciens sujets, quelques anciens sujets. Et commencer à traiter quelques anciens sujets, corriger si vous avez la correction. Vous devez avoir des supports, des documents, ok, qui peuvent vous aider à avoir des anciens sujets entièrement corrigés que vous pouvez commencer à traiter dès maintenant. Et pendant les week-ends, prenez la peine de pouvoir traiter des exercices. N'attendez pas que le professeur vous donne d'abord des exercices avant de pouvoir vous préparer. La préparation, c'est maintenant. Lorsque vous avez un temps libre, mettez ce temps-là à profit en apprenant quelque chose de nouveau. Vous pouvez avoir des documents où il y a l'ensemble du programme à l'intérieur, où il y a la correction détaillée. Et pour ceux qui sont qui ont besoin de conseils, de quel type de documents vous avez besoin, vous pouvez nous contacter. On va vous conseiller des documents, des fascicules qui pourront vous aider à commencer votre préparation maintenant. Voilà, vous préparez en même temps pour les devoirs de classe et en même temps pour les examens de fin d'année. La deuxième des choses, vous devez d'abord avoir un objectif élevé. Ne partez pas à l'examen pour objectif de réussir simplement votre examen. Non, vous partez à l'examen, ayez pour objectif d'avoir l'examen avec mention. Voilà, visez la mention. Voilà, si vous êtes candidat au CEP, dites-vous, bon, je vais pour avoir mon CEP avec mention et travailler en fonction. C'est ce qui vous permettra de réussir à coup sûr. Parce que si vous n'avez pas la mention, mais le minimum, vous aurez votre examen. Voici comment vous devez avoir, voici dans quel état d'esprit vous devez aller à l'examen. Et à partir de maintenant, si vous n'avez pas décidé ou visé l'objectif d'avoir de réussir votre examen avec mention, c'est le moment de pouvoir viser la mention. Pourquoi pas être boursier. Vous voyez, quand tout le monde, on proclame les résultats, tout le monde est content, mais vous serez doublement heureux ou satisfait parce que en plus de votre BPC, vous avez réussi avec mention et vous avez la probabilité d'être parmi les boursiers. Là. Donc, la deuxième des choses, ayez un objectif élevé. Et la troisième des choses, commencez par croire. N'ayez pas peur, ne soyez pas stressé. Alors, si d'autres personnes, si vos camarades avant vous ont réussi leur examen, ne soyez pas stressé, vous pouvez réussir. Si vous réussissez vos devoirs de fin d'année, si vous avez vos devoirs de classe, c'est sûr que vous pouvez réussir votre examen de fin d'année. Donc, ayez cette foi, croyez que vous pouvez réussir, croyez que vous allez réussir, parce que si d'autres personnes l'ont fait, vous aussi pouvez le faire. Ne soyez pas stressé, parce que le stress va réduire drastiquement vos chances de réussite. Alors, donc, pour ceux qui voudront avoir plus de conseils, plus un accompagnement spécialisé, vous pouvez nous contacter. Et pour ceux qui ont besoin de conseils, vous pouvez intégrer notre groupe pour pouvoir bénéficier de nos conseils. Et surtout, pour ceux qui ont besoin de nos quelques supports de préparation que nous avons, vous pouvez nous contacter. Alors, merci, chers parents, merci, chers élèves, de nous avoir suivis jusqu'à présent. Et surtout, contactez-nous en cas de besoin. À très bientôt et au revoir.